Merci. Donc, je vais vous présenter la sémantique anthropologique dans l'œuvre latine de Maître Eckhart, ce qui correspond essentiellement à mon premier chapitre de ma thèse qui a débuté depuis octobre dernier. Donc ça fait à peu près 6 mois que j'ai commencé ma thèse. Donc cet exposé va se faire en 3 temps. Premier temps, méthode. Le deuxième temps va consister à vous expliquer ce que j'ai fait durant une analyse qu'on dit textométrique, c'est-à-dire une analyse à partir d'un logiciel de corpus textuel, et en troisième temps, une analyse thématique. Donc pour la méthode, tout d'abord, afin de réaliser cette sémantique anthropologique, nous avons constitué un lexique prédéfini. C'est-à-dire, avant d'entrer dans le texte, nous avons choisi différents termes qui permettent de repérer directement dans le texte ce qui a trait à l'anthropologie de Maître Eckhart. Il y a 7 termes, homo, subjectum, creatura, ego, sum, persona et suppositum. Ces 7 termes-là, on voit bien sûr à l'homme, donc à l'anthropologie en général. Nous avons opté aussi pour une étude systématique, ça veut dire une analyse exhaustive de l'ensemble des données et des occurrences présentes dans l'œuvre latine. Donc dès lors qu'il y aura un terme en rapport au lexique prédéfini, nous captons cette occurrence pour l'étudier. Et enfin, nous avons entrepris une analyse textométrique, comme je vous ai dit, à partir d'un logiciel de corpus textuel et thématique qui consiste à regrouper les différentes occurrences selon les thèmes, sous-thèmes, etc. Donc, pour l'analyse textométrique, comme j'ai dit, nous avons utilisé le logiciel TXM, qui est un logiciel de référence en matière d'analyse de corpus. Nous avons utilisé la fonction lexique, qui consiste en quoi ? Elle consiste à donner la position de chaque mot de manière hiérarchisée. Quels sont les mots les plus utilisés par Maître Eckhart ? Le logiciel va donner un tableau qui permet de dire le premier mot le plus utilisé est celui-ci, le deuxième mot le plus utilisé est celui-là. Donc nous avons, pour cette fonction lexique, établi la position de nos termes de notre lexique prédéfini. Vous voyez sur ce tableau que le terme « homo », par exemple, occupe la 8e position parmi 8884 lemmes utilisé dans l'œuvre latine. Un lemme se distingue d'un mot par le fait que le lemme regroupe tout le champ, on va dire, toutes les formes lexicales d'un mot, homme, hominem, etc., etc. Nous voyons aussi que le terme ego apparaît en 6e position sur les 8884 lemmes. Sum, bien sûr, vu que si on le conjugue, c'est le verbe être, donc première position. Persona, subjectum, creatura, entre la 150e et la 250e position.
et le terme de suppositum en environ 800e position. Donc, on peut dire, à partir de ce tableau, que notre lexique anthropologique occupe une place importante dans l'œuvre latine, puisque trois termes font partie, on pourrait dire, du top 10 des mots les plus utilisés par Maître Eckhart, et qu'ensuite trois termes occupent une place importante, et enfin suppositum, qui reste quand même assez significatif. Ensuite, en utilisant toujours la fonction lexique, nous avons cette fois-ci donné l'ensemble des mots. Ici, je montre les 10 premiers mots les plus utilisés par Maître Eckhart, mais j'ai étudié les 50 mots les plus utilisés par Maître Eckhart. Mais là, si je mettais les 50 mots, on verrait rien. Et là, on voit bien. Donc du coup, vous voyez qu'ici, les 10 mots les plus utilisés avec leur fréquence, donc là, je me suis trompé, c'est pas sur 8884, c'est sur 464 000 mots, mais là, j'ai oublié de mettre, j'ai laissé les lemmes. Bref. Donc, on voit que, par exemple, là, le premier mot, comme ça a été dit, c'est sum. Le deuxième mot le plus utilisé par Maître Eckhart, ipse, deus, unus, bonus, ego, etc. Jusqu'à la 50e place. J'ai fait un tableau, on va dire, récapitulatif des 50 mots les plus utilisés par Maître Eckhart, et j'en ai fait une sorte de petite thématisation. Donc on voit sur le tableau que il y a des mots relatifs au divin, par exemple Deus, Unus, Dominus. Ensuite vous voyez les mots relatifs à l'identité, donc les mots relatifs au soi ou à l'autre, ipse, alius, ego, les mots relatifs à l'intériorité, donc l'âme, le cœur, l'intellect, les mots relatifs à l'ontologie, donc quand ils discutent de la forme, de la matière par exemple, voilà, donc les mots relatifs à la physique métaphysique, les mots relatifs à ce que j'ai appelé l'immanence, la terre et le monde, les mots relatifs à la transcendance, divinus. Donc, j'ai mis aussi que les termes opus et vita pouvaient être soit relatifs au terrestre, soit relatifs au divin. Par exemple, opus, on pouvait dire une œuvre divine ou une œuvre terrestre. Là, pareil pour le terme vita, vie divine, vie terrestre. Ensuite, le mot quant à une espèce, homo. Les fonctions grammaticales, bon, verbum, c'est aussi par rapport au verbe, mais bien sûr par rapport aussi à la catégorie trinitaire. Et les prédicables, virtus, justus, justitia, veritas, bonus, malus. Et enfin, les mots relatifs à des références textuelles, donc ce n'est pas propre à la pensée cartienne, mais plus par rapport à des citations. Donc ils citent très souvent Augustin, ils citent aussi très souvent les psaumes, et deux mots sont des, on va dire, des formes rhétoriques pour dire voilà, ce qui précède par rapport à praemito. Il dit quand il dit dans un texte par exemple il est dit plus haut, il utilisera ce terme là donc c'est juste des références textuelles. Ensuite nous avons utilisé la fonction progression. Donc à quoi sert cette fonction? La fonction progression sert à observer la succession des mots dans le corpus, mettant en valeur sous forme de courbe une régularité ou non de l'utilisation du lexique anthropologique dans l'œuvre eckhartienne. Par exemple, si l'on voit des variations, un sursaut dans la courbe, cela voudrait dire que dans tel passage, Maître Eckhart a beaucoup plus utilisé ce terme par rapport à l'ensemble de l'œuvre. Si ça avait fait, par exemple, ici, ça aurait fait tac, ça voudrait dire qu'à un moment donné dans l'œuvre, il y aurait eu une surutilisation du terme par rapport à l'ensemble de l'œuvre. Donc, en analysant cette progression, on voit, malgré quelques variations,
une certaine régularité. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas dans une œuvre particulière que Maître Eckhart parle d'anthropologie. Il parle de manière régulière dans toutes ses œuvres. Donc là, je dis des choses assez basiques, mais je pars du principe en termes de méthodologie que c'est comme si je ne savais rien du texte, je prends le texte tel qu'il est sans a priori. Donc là, j'ai cette fois-ci essayé de faire des co-occurrences à partir du même logiciel. Donc pour expliquer le tableau, par exemple pour le terme ego ou pour le terme homo, la fréquence c'est le nombre d'occurrences présentes dans l'œuvre intégrale latine. L'écofréquence sont le nombre de fois où le terme homo est en lien avec les sept termes de notre lexique prédéfini. Donc des fois homo va être en lien avec ego, avec creatura, avec etc etc. Même des fois homo avec homo lorsqu'il dit l'homme et l'homme, enfin EST l'homme. L'indice c'est l'indice de spécificité. Donc pour l'interpréter, pour donner une idée, si l'indice de spécificité est de 2, cela veut dire que le terme homo a 10 fois plus de chances d'apparaître dans le contexte de notre lexique prédéfini que dans le reste de l'œuvre. Si c'est un indice de 4, cela veut dire que le terme homo a 1000 fois plus de chances d'apparaître dans le contexte d'apparition de nos termes que dans le reste de l'œuvre. C'est pour montrer que, voilà, et Maître Eckhart, s'il utilise le terme homo, il a quasiment toutes les chances d'être proche de notre lexique. Donc, j'ai avec cette fonction de co-occurrence, j'ai retenu 45 termes qui sont significatifs, c'est-à-dire qui ont un indice de spécificité supérieur à 3. Donc, les mots les plus corrélé avec l'indice de spécificité par rapport à notre lexique anthropologique que j'ai donné au début. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, je reprends le lexique prédéfini, c'est creatura, subjectum, homo, ego, sum, suppositum et persona. Donc, lorsque ces sept termes-là apparaissent dans l'œuvre latine, il y a ces mots en italique qui ont au minimum 100 fois plus de chances d'apparaître proches de ces termes-là que dans l'ensemble, que dans le reste de l'œuvre. Donc j'ai thématisé un peu ces 45 je ne les ai pas tout mis, mais l'essence elle est là. Thématisé l'ensemble de ces co-occurrences. Donc on voit qu'il y a l'homme naturel, je l'ai appelé ainsi, animal, mundus, etc. Ensuite, l'homme terrestre, donc on va dire la partie mauvaise de l'homme, menteur, extérieur, etc. Ensuite, l'homme nouveau, donc qui se distingue de l'homme naturel, c'est pour ça que j'ai appelé ça la dualité de l'homme. Et j'ai fait aussi des petits A, petit B, petit C, l'origine de l'homme, la nourriture divine, par exemple le pané, vivus, qui est bien sûr des synonymes du Christ, et le mouvement, le choix, tels que éligo, ministère, et vado, evita. Bon, on va dire que voilà, ces termes peuvent parler comme ça, mais... je suis obligé de synthétiser pour cette présentation. Donc là, on passe à l'analyse thématique. Donc, pour l'analyse thématique, j'ai pris toutes les occurrences de chacun des termes de notre lexique. Bon, là, c'est beaucoup de chiffres,
Mais le mieux, c'est de voir le total en bas à droite déjà. 1890 occurrences pour le mot creatura, homo, etc. Bien sûr, il y a des mots corrélés que j'ai pu récupérer en reprenant les passages, donc le contexte d'apparition des termes. Par exemple, pour creatura, creaturae, creaturarum et creaturarum sont apparus 35 fois. Donc, si on fait le total du mot plus des mots corrélés et en additionnant leur occurrence, on arrive à un total de 1890 occurrences pour l'ensemble du lexique. Voilà, donc le travail qui a été fait était lourd puisque j'ai dû thématiser ces 1890 occurrences. Ça a été un long combat puisque voilà, c'était difficile. Mais je suis arrivé à 4 rubriques, 10 sous-rubriques, 29 thématiques, 72 sous-thématiques et 59 sous-thématiques bis qui seraient une sous-sous-thématique. Je suis arrivé, il me semble, à quatre rubriques que je ne changerai pas. Première rubrique, la noétique. Deuxième rubrique, l'immanence de l'homme. Troisième rubrique, la transcendance de l'homme. Et quatrième rubrique, l'ontologie. Donc, dans ces quatre rubriques s'inscriront des sous-rubriques thématiques, sous-thématiques, et voilà, les 1890 occurrences. Donc, par exemple, pour la première rubrique, noétique, j'ai donné deux sous-rubriques qui, là, comment dire, les termes utilisés pour nommer ces sous-rubriques sont encore expérimentales, elles ne sont pas validées, c'est vraiment pour voilà, avancer dans mon travail. C'est en parcourant et en reparcourant, en réécrivant que je figerai ces sous-thématiques et thématiques. Par contre, comme j'ai dit, les rubriques, je ne les changerai pas. Donc, voilà, j'ai par exemple pour la théorie de la connaissance, j'ai mis l'homme et la parole, et le suppos comme démonstration d'une noétique. Bon, là, ça parle peu, mais je peux pas dire davantage pour l'instant, puisque tout mon travail jusque septembre sera de finir et d'expliciter cette analyse thématique pour finir mon chapitre 1. Là, je ne peux pas en dire davantage. Là, l'immanence de l'homme, par exemple, première sous-rubrique, l'homme et le monde, divisé en le monde est mauvais par nature, la personne comme catégorie anthropologique, donc là c'est souvent la personne méchante ou la personne sotte. Ensuite, l'homme et le monde comme sous-thématique, la créature comme catégorie anthropologique, donc la créature qui n'est rien, par exemple aussi une nature négative, la nature humaine, sujet et nature. Voilà. C'est pour donner aussi l'état de ma recherche. Ensuite, la troisième rubrique, c'est la transcendance de l'homme. Donc les valeurs transcendantes, les valeurs en tant que telles, le changement, l'homme à l'image de Dieu, la divinisation de l'homme qui rentre dans cette rubrique transcendance, l'intellect, la grâce, l'unité de l'homme et de Dieu, la personne maximale, donc là c'est le contraire de la personne, c'est la bonne personne, mais pas la personne du Saint-Esprit, pas la personne au sens trinitaire. L'homme en tant que créature est sujet et surnature, sujet métaphysique, sujet mystique. Ensuite, là c'est la dernière rubrique, il me semble, donc l'être divin modèle de l'anthropologie. L'essence d'une créature, l'homme image du modèle, l'homme Dieu et le fils homme, l'homme et l'être. Bon, voilà, ce sont des thématiques, comme j'ai dit, qui sont expérimentales. Je n'ai pas encore figé les termes. L'être et Dieu, l'être et l'homme et Dieu en son image, la liberté et le jeu, et foi et raison. Donc voilà ma recherche. Pour l'analyse taxonométrique, je pense avoir terminé cette analyse. Pour l'analyse thématique,
J'ai pu montrer l'essentiel de mon travail à ce niveau-là. Il me reste 4-5 mois pour étoffer cette partie-là. Je vous remercie. Merci. Maridari, burgens espis.